Les ostéolépides étaient probablement à la base de l'arbre phylogénétique des tétrapodes. Sténoptéron partage anatomiquement beaucoup de caractères avec les premiers tétrapodes connus. La première preuve de moelle osseuse a été trouvée sur ce fossile, ce qui pourrait être à l'origine de la moelle osseuse chez les tétrapodes. Aussi, le genre diffère significativement des tétrapodes à la fin du Carbonifère, notamment sur l'absence d'une phase larvaire ainsi qu'une métamorphose définitive pour arriver à l'âge adulte. L'une des principales caractéristiques transitoires du Panderichthys est son humérus. Pendant la transition des poissons aux tétrapodes, les membres commencent à bouger et commencent à s'orienter dans un meilleur angle par rapport au corps, au lieu d'être orientés vers l'arrière. Comme c'est une espèce en transition entre les poissons et les amphibiens, il a la capacité de respirer à l'air libre. Dictaalik avait des nageoires supportées par une structure osseuse de tétrapodes. Il semblerait que ce soit un des premiers poissons à avoir un cou flexible. Les scientifiques pensent que les lacs peu profonds et les rivières étaient souvent sujets aux sécheresses. Alors, les créatures qui étaient capables de survivre à des conditions sèches, qui avaient tendance à s'éterniser, avaient plus de chances de survivre. L'Antastega était avant tout un prédateur aquatique, spécialisé dans la chasse aux poissons. Il pouvait manipuler ses proies avec sa bouche afin de les avaler, tête la première, et éviter que les poissons se coincent dans sa gorge avec leurs épines. Acanthostega ne marchait pas du tout. Il utilisait plutôt ses membres équipés de 8 doigts pour naviguer dans les marécages, encombrés par la végétation pour poursuivre ses proies. Au début, les tétrapodes n'évoluaient pas spécialement dans le but de marcher sur la terre ferme. Ils utilisaient la méthode d'alimentation par aspiration. Ils ouvraient la bouche très rapidement, créant un vide dans sa bouche qui attirait les proies à l'intérieur. Ichthyostega est considéré comme étant le lien transitoire le plus important entre la vie marine et la vie complètement terrestre. Il pouvait passer beaucoup de temps sur la terre ferme sans suffoquer sous son propre poids. Pederpest avait les pieds orientés vers l'avant plutôt que vers l'intérieur, ce qui est plus efficace pour marcher sur terre. Malgré son adaptation à la vie terrestre, l'oreille interne de Pederpest était structurée de manière à mieux fonctionner dans l'eau. Durant le Permien, l'augmentation de l'aridité et la diversification des reptiles ont contribué au déclin des thémnospondyles terrestres, mais les thémnospondyles aquatiques continuent de prospérer, subissant moins de compétition avec l'apparition des nouvelles espèces. Eryops était un des prédateurs du Permien, les plus formidables. Il peut être le seul amphibien capable d'être en compétition avec les synapsides qui dominaient à cette période. Son anatomie laisse penser que c'était un mauvais nageur. Cette période était marquée par les premières immenses forêts et les insectes géants, et le Cacops se nourrissait certainement de ces insectes. Il est possible qu'il chassait de nuit pour éviter les prédateurs plus gros. Platyhistrix paraît plutôt inhabituel. Les vertèbres dorsales étaient allongées et durant son vivant, cela devait former une voile dorsale.
Normalement, ces voiles servent à la régulation de la température du corps, mais chez les amphibiens, son utilité n'est pas connue. Peltobatrachus avait développé une armure autour de son corps, comme celle des tatous, et une queue pour se protéger des prédateurs comme les grands thérapsides, comme les gorgonopsides. Comme les thymnospondyles continuent à se diversifier sur la fin du Permien, un groupe appelé les stéréospondyles sont devenus plus dépendants à la vie marine. Les vertèbres se sont affaiblies, les membres se sont raccourcis et le crâne est devenu plat et large, avec les yeux orientés vers le haut. Pendant le Trias, ces animaux dominaient les écosystèmes des eaux douces, évoluant en petites et grandes formes. Le mastodonsaure était un des plus grands. Il passait la plupart de son temps dans l'eau comme un prédateur marin, attrapant ses proies de la même manière que les crocodiles modernes, un exemple d'évolution convergente. Les archégosaurides, comme les archégosaures ou les platyoposaures, ressemblaient aussi beaucoup aux crocodiles et partageaient certainement le même mode de vie. Prionosuchus est l'espèce de thymnospondyle la plus grande connue, avec ses 9 mètres de long. Il vivait dans un environnement humide et tropical. Il avait une régulation de température, des échanges gazeux, une osmorégulation, c'est-à-dire une régulation des sels marins, et une digestion plus similaire aux poissons qu'aux amphibiens aquatiques, indiquant peut-être un mode de vie totalement marin. Trematosauria est un des groupes majeurs des amphibiens thymnospondyles, ayant survécu à l'extinction de masse entre le Permien et le Trias. Mais seulement une lignée, les brachiopoïdes, ont survécu jusqu'au Crétacé. Gyrothorax avait un crâne de forme inhabituelle avec des saillies angulaires sur les côtés, ce qui ressemble vaguement au crâne du plus ancien et non apparenté Diplocolus, mais était moins développé que ce dernier. De grands assemblages de métoposaures avec des centaines d'individus conservés ensemble ont été trouvés dans le sud-ouest des États-Unis. Ils ont été interprétés comme une hécatombe de masse causée par les sécheresses dans les plaines normalement inondées. Ces environnements semblent avoir eu peu de diversité car ils étaient habités presque exclusivement par des métoposaures. L'extinction de masse entre le Trias et le Jurassique a tué la plupart des thymnospondyles du Mésozoïque. Les brachiopoïdes ont survécu et sont devenus plus grands durant le Jurassique, comme il y avait moins de compétition. Coulassuchus habitait les vallées du sud de l'Australie durant le début du Crétacé. Durant cette période, la région était plus proche du cercle antarctique et la température était relativement plus fraîche pour le Mésozoïque. Coulassuchus est connu pour être le dernier représentant de l'ordre des thymnospondyles. Siderops est un proche cousin du Coulassuchus, mais vivait au Jurassique. Tous les lépospondyles sont caractérisés par leurs vertèbres simples en forme de bobine, qui ne s'ossifient pas à partir du cartilage, et grandissent plutôt comme des cylindres osseux autour d'une notocorde, la base même de la colonne vertébrale. Beaucoup d'hypothèses suggèrent qu'ils sont les ancêtres des amphibiens modernes. La large tête du Diplocolus avait pu agir comme des nageoires, aidant la créature à glisser à travers l'eau.
Une autre possibilité serait que cette forme soit défensive, car même un gros prédateur aurait du mal à avaler un animal avec un crâne aussi large. Pantilus était surtout un animal terrestre, jugeant ses pattes plutôt solides. Le crâne du Phlegethontia est très léger et ouvert, réduit à une série d'entretoises soutenant la boîte crânienne contre la mâchoire inférieure, tout comme chez les serpents. Et il est possible que les aïstopodes remplissent les mêmes niches écologiques au Paléozoïque que les serpents d'aujourd'hui.